Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs, en vos grades et fonctions. Alors c'est une joie pour moi d'être présente ici pour l'inauguration du projet Archifolies. C'est un projet qui est porté, vous l'avez compris, par le ministère de la Culture, dont je salue les représentants, Monsieur Gaëtan Bruel, directeur de cabinet, et Monsieur Jean-François Hébert, directeur général des patrimoines et de l'architecture. Alors je veux également saluer et remercier la Villette et le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, partenaires de ce projet, pour leur engagement constant dans les Archifolies et plus largement le Club France. C'est une joie pour moi de voir surtout l'aboutissement de ce projet mené après 2 années de travail avec les fédérations olympiques et participantes. Elles sont au nombre de 20. Et je salue, j'en profite pour saluer les présidents et les présidentes qui sont ici. Et donc ce projet en collaboration avec les écoles d'architecture partenaires de ce projet labellisé Olympiade culturelle, sous l'égide bien sûr des grands ateliers innovation architecture et avec l'aide précieuse des mécènes qui ont été tout à l'heure cités. Merci beaucoup. C'est aussi une célébration de notre histoire architecturale qui rend ces parcs si remarquables et uniques. Je me tourne vers Bernard Thiumi. L'architecte du parc. Et après, on mettra des.